Hier, avec des étudiants euh, à la fac euh, suisse et Rabat, et euh, vous leur avez dit que le Maroc sera le pays le plus riche du monde. Non, le, du... je pas le. Ah, un des pays du. Euh, donc ah oui, oui, un oui, oui. des pays parti, les plus. Pas parti. Parce ouais. que le article je, 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 je termine donc. Vous, vous leur avez dit que le Maroc sera un des pays les plus riches au monde. monde. Est-ce qu'on a trouvé du pétrole ou quoi Non, c'est pas moi. C'est le prix Nobel euh, Balzan qui l'a dit depuis 2015, parce que. On, va, on a 75% des réserves de, de phosphates. Dans 20-30 ans, il n'y a plus de phosphates presque rentables ni aux États-Unis, ni en Chine. Les autres pays, c'est des petites quantités. Donc le Maroc va vers le monopole mondial des phosphates. Et déjà aujourd'hui, on exporte autour de 40 milliards de dirhams par an. Pour 2021, on va commencer à atteindre peut-être les 100 milliards. Et puis, nouveauté, on va arriver à 700 000 voitures. D'ici 2021, en produisant le moteur diesel, essence, hybride, électrique, le taux de croissance de l'aéronautique est de deux chiffres. L'agriculture, on exporte plus 7 à 8 par an, donc on n'aura pas de gros problèmes financiers. On aura de gros problèmes de l'emploi et du social parce que la population est en train de vieillir. Des gens n'ont pas de retraite. Donc, le défi du Maroc de demain, c'est la protection sociale. Si on ne fait pas un effort là-dessus, eh bien, la stabilité n'est pas garantie parce que vous pouvez avoir de l'argent, mais si vous ne gérez pas la société, vous n'aurez pas de stabilité. C'est pour cela on vient de faire les assises de la protection sociale pour aller vers l'élargissement de la protection sociale, pour que les Marocains aient la couverture médicale. Donc, le chantier social est une priorité.